Amis du petit écran, bonsoir. On se retrouve encore une fois avec mon équipe de causerie, pour une causerie spéciale certainement. J'ai souhaité que nous t'amusions, bien nous t'étendons en pile bagarre et nous regardons la dernière émission avec le politicien, notre collaborateur Jean-Emmanuel Charlot et certainement le chef de police retraité Gary Eugène. Côté que l'été font définition de la police et puis ensuite ça que l'y recommandé pour force de police en Haïti. Je veux dire là, et m'a rappelé mon nom encore une fois pour la énième fois, que nous parlons, c'est pas un parti politique que nous y est. Okay? Nous présenter des modèles à partir de ça qu'il a que nous pour Haïti. Nous avons l'intérêt national dans le cœur. Et ça fait que nous ne pouvons pas garder ça qui a passé pour nous critiquer. Hein? Nous simplement dit que, mais ça qui est bon pour le pays. Hein? Parce que nous faisons plus de 5 décennies de yon. Nous apprenons un peu de bagaille. Donc ça, nous apprenons là, un côté de la caille. D'une façon, sous forme quelconque, sous forme télévisée, sous forme, nous parlons de mouvement, altiré, non, ça n'a pas de là. Non. Nous simplement porter des idées. Tout ça, c'est contribution. Okay, par exemple, technicien qui a filmé nous là, son contribution. Madame, moi avec madame, monsieur, qui maquille nous, bien que c'est contribution. Ce n'est pas obligé l'argent. Tout ça, c'est contribution parce que nous avons Haïti en tête. Ok? Donc, je dis là, étant donné que nous avons des experts, et surtout que Haïti, nous avons des gangs politisés, d'après les nouvelles. Les politisés, c'est ça qui fait que la présence d'un politicien, un politologue est important. En studio, ça fait que ses collaborateurs, nous, il fait partie de causerie, c'est Jean-Emmanuel Charlot, qui est libre à regarder pour voir que la politisation des gangs, est-ce que c'est son bagage qui triste? Et certainement, nous avons adressé à l'expert, le chef de police, Gary Eugène, qui va dire en général, qui j'en fais, qui ont manié, qui ont deal, qu'on anglais, avec une situation de gang, long pays. Monsieur, bonsoir et puis bienvenue sur Causerie certainement. Monsieur, moi-même, si moi-même, alors pas en physique. si moi-même, moi-même ça. Si moi-même, j'aime de la service social ni New York ni Floride, parce qu'on est tous retraités, femmes, dis-moi nous que nous retraités, nous pas faire ça beaucoup, non? On va faire pour l'intérêt national. Faut me rappeler nous ça. Parce que nous allons rentrer une campagne, nous allons le faire. Qui veut l'entendre à qui veut l'entendre? N'a pas mis l'idée dehors. Sous le apprendre, sous parler, mais faire mes télévisions. Ok? Donc, l'homme de nos services sociaux, nous avons en charge plusieurs programmes qui étaient pour louer avec gang. Mais c'est gang communautaire. Ouais, gang communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelques jeunes gens qui servent avec gang pour remplacer. Les parents ont réprimandé au trop dur, les parents ont mis en pile discipline sur eux, les parents n'ont pas voulu faire de drogue. Parce que gang nan lui-même, les petits mouns sont malheureux, gang nan, chef gang nan, il séduit, il prend, il fait le commettre un crime, et puis il vient accepter dans le groupe gang nan. Donc ça, c'est un gang la police toujours, là-dedans, pour aider nous. Nous avons un pile groupe anti-gang en Floride, surtout. Qu'on est là, monsieur, et avant nous entrer dans la situation gang qui est grave, qui se sont gang militarisés en Haïti, on gang politisé en Haïti, on gang qui vient censé servir de son ressource lié en série. Je préfère faire ça tant que c'est le travail, dès que le pays a pas de travail. Donc, nous, alors ça la deuxième partie, la première partie là, et chef jeune, qui gens pour nous faire, qui définition d'abord même, qui gens pour nous approcher à faire gang en général d'abord? Tout d'abord, il faut nous réaliser que gang, non, c'est une organisation plutôt criminelle, parce que dans les années 60, dans les années 50, nous avons regardé la télévision, nous avons regardé la TV, côté que gang, non, c'est une question de réunir dans certains quartiers, passer des moments ensemble, etc. Mais criminalité a envie de changer le concept, la même définition de gang. Là, au dictionnaire, il reconnaît son groupe organisé
mais qui objectif yo c'est atteindre des bail lucratifs par l'enforcement de la criminalité, drogue, armes, etc. and so on and so forth. Mais Haïti pas de konn bagay ça, on connaît très bien et dit j'ai Emmanuel qui doit dire même bail dans tous les nous t'a grandi en Haïti. Concept ça nous pas de connaître, nous pas au courant de li, son bagay qui était grave, les rentrer la police, la m'apprendre la police t'a fait polygraphe test sur moi. Yo m'a dit combien fois me fumer marijuana, les m'expliquer nèg yo que me fait que me la vingtaine moi que me pas connait ça marijuana yé. Yo t'ai basically pensé à disqualifier me parce que par ici menti n'ta bay qui j'en font moun qui la vingtaine ni pas jamais moi marijuana en ville. Donc c'est pour retourner à concept lié, malheureusement il y a des contrats signés entre Haïti et gouvernement américain. Yo commencé faire déportation des criminel vers Haïti, il est accepté, c'est pas seulement Haïti, il est signé entre Jamaïque et les États-Unis. Et voilà que moun sa yo qui habitué avec concept gang là, yo rive en Haïti, il y a pile là yo pas de jambe qu'en Haïti, pas de jambe grandi en Haïti, qui rive l'on pays inconnu, l'on pays étranger parce que yo capoté titre haïtien, mais l'en terre que yo t'atterrir son terre étrangère l'était. Et brusquement, puisque yo pa gen aucune possibilité pour yo jwenn travail, pour yo continuer éducation, pour yo rééduquer tête yo vers un objectif meilleur, il était beaucoup plus facile que yo tombe dans gang là puisque yo te gen concept là, yo prend leadership là, yo prend jeune haïtien qui pa gen rien à faire et voilà ce temps pour criminalité. Mais yo gwa avantage sous même institution publique qui établie en Haïti. L'op comparon gang qui organisation qui go hierarchy la donne à l'armée haïtienne, c'est la même chose de police nationale. La police nationale, l'op font bagay qui pas bon, l'op de respecter un superviseur, ça seulement yon ka fait pour yon ka reprimande yon, yon ka mette en punition et yon ka conséquence. Une conséquence, yon ka même révoqué yon. Mais la gang nan différence tan c'est parce qu'on connaît le monde nan font bagay qui pas bon très souvent ou bien au punir punition c'est des yo calé ou et si bagay nan grave très souvent c'est tu même ou bien tu en famille. Donc c'est dire que moun yo beaucoup plus respecté hiérarchie hein, la gang criminelle là que l'institution établie. Donc, on pense qu'il faut nous réfléchir, il faut nous comprendre le pouvoir qui existe dans la gang. Hein, parce que nous sommes très très forts, jeunes très souvent, ils viennent dans la gang, c'est parce qu'ils ont cherché un bail dans la caille. Ils ont joué que la gang permet de faire. Je vais prendre ça, Jean-Emmanuel Abdi. Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Et ce qui retient l'attention là-dedans, c'est que vous parlez de gang. Les nous étions jeunes, les nous étions un petit groupe, vous comprenez? L'idée qu'on allait un petit peu plus loin, tout, parce que les nous étions jeunes, nous étions un petit gang, peut-être dans le quartier ça, nous pas, nous en lutte avec gang qui n'ont l'autre quartier. Les sacognants qui sont cherchés, ou chercher footballeur gagné. Ouais, tout petit jeune qui joue football, lui, puis les finis d'où, m'a bien joué, n'a pas joué. Voilà, c'était le terrain au déide. Donc c'est qu'on soit confronté quartier contre quartier. Vous comprenez? Tu gagnes pour judo, tu gagnes pour football, tu gagnes pour karaté. C'est exact. Il n'y a pas de criminalité là-dedans. Ouais, mais monsieur Charles, la différence que moi là, dans ça nous parler là, c'est que la définition du mot gang, les gangs ont association, une connexion directe et peut-être même inévitable avec ce qui est irrégulier, ce qui est criminel. Yes. Ok, donc même si que, par exemple, alors, il était innocent, là, nous parlons de jeunesse innocent d'Haïti tout le temps. Et là, par exemple, pour un jeunesse qui était contre faire si des petites compétitions de quartier de football, de judo, de karaté, etc. Mais les gangs qui fait le pays étranger, pas de conscience en Haïti, les gangs qui fait le quoi ça fait, ils ont même, nous, ça, New York, côté que les deux groupes à gourmets. Yo bien dès que nous pas trouver côté de tuer l'autre non même qu'on est côté que bien yo frappé au trait du gain qui blessé bien
tout bas comme ça. Donc, violence là, pour que l'on a dit que son bas est criminel dans le sens, c'est à partir de là qu'on a violence en gain de l'air, il vient résulter à un 9 mm ou bien 38 qui va aller, et puis on finit bon balle tiré. Ok? Donc, pratiquement là, c'est côté que aspect gang, aspect criminalité là, gang là, il vient censé faire que, il vient nos cultures qui a été importé d'Haïti ou bien exporté de l'étranger. C'est arrivé là, ici. Ouais. Donc, des deux côtés. Des deux côtés. Donc, pratiquement, c'est là que cette culture, l'on pays de qui gagne pauvreté et on va qui censé chronique, l'on pays côté monde pas à manger, donc on est la même gens, il y a des parents qui perdent une petite chose. Donc il y a une diaspora surtout, côté que yo. Il n'y a pas de foncer de bas, il y a la gang qui fait ça. Depuis qu'on passe l'initiation au gang. Ok? Donc on est là en Haïti et nous ne pouvons pas arriver dans la gang en Haïti. Ok? Nous allons continuer à causer sur les formes de gang par définition. Et qui l'ont gang? D'abord même, M. Charles, qui l'ont gang par exemple politisé? Et chef jeune, qui l'ont gang militarisé? Écoute, au gang qui politise, c'est au gang qui gagne maître. Et maître lui-même fait partie de monde qui est replacé dans la politique là-même. Qui est son carré de le politiser. Là, où ramenez-moi là, qu'on y a là, et puis j'ai fini, m'a songé, je me dis normalement, on n'est pas supposé gagner une police. Et non gang ou pas supposé gon gang qui politisé ouais ça même là on comprend de deux côtés mais là nous t'es jeune t'es gon bail qui t'existait et la seule façon d'accepter réellement une police politisée j'en ai dit là c'est que le bon rôle spécifique nous pas de comprendre ni à l'époque sous François Duvalier. Mais police qui politisait, c'est une police secrète qui appartenait directement au gouvernement. Ça veut dire que il y a un rôle spécifique. Vous comprenez? Ça veut dire que moi, même si je suis là, ou même là, qu'on y a l'organe dans un ami, ou pas qu'on y a là. Donc c'était une police politique. Mais là, qu'on y a là, tombé dans un gang qui politisait. Ou une police qui est gangstérisée. Yes, oui, effectivement, nous tous deux, police gangsterisée, mais gang l'a politisé tout. La raison, c'est que police là, lui-même, là, non gang l'a. Gang l'a lui-même, il y a un boss. Sous gain 7, 8 gangs différents. Gain plus, oui, mais nous avons à peu près 5, 6 cap battre à tout. Bon, nous tous gain boss. Avant d'aller à la situation d'Haïti, par exemple, nous gardons nos gangs, que c'est le cinéma, que c'est gang des documents historiques. Par exemple, à, au niveau par exemple, de la mafia, par exemple. Ok? On doit dire que son gang révolutionnaire qui était quoi? Il était quoi dans le bagage, et puis il a défendu, et puis il vient tourner, il vient criminaliser. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de accepter dans la société, dans l'économie. Mais la mafia, c'est pour bon, l'autre rôle qui dépassait, qu'on a une question de territoire. On va y avoir ça ou pas qu'à vendre ça dans le territoire. Ben, comme ça, c'est ça que nous voyons dans l'histoire des gangs internationalement parlant. Nous avons une différence qui gagne. Oui. C'est que, et lorsqu'on parle de gangs, il faut faire attention selon moi-même. Vous comprenez? On va dire si je suis d'accord. Lorsque gang là le plus souvent, ce petit groupe, je nous dis, mais il n'est pas structuré tant que mafia. Okay. Mafia structurée, les comptes qui s'allient pour le faire, les comptes qui gèrent pour le faire, tout et tout. Mais les conséquences jour, sont similaires des fois. Oh, les conséquences sont beaucoup plus similaires. Ok. Similaire. Mais et avant qu'on arrive à conséquences, oui, ce bagage qui pas fait bien, mais avant qu'on arrive dans conséquences, là, et bon bagage qui gagne, c'est que les gangs là pas structurés et ces problèmes ça a été soulevé justement à Montréal à un certain moment. Vous comprenez? Et où gang Gonsol soldat la donné, capturé pour n'importe quoi.
pour faire face avec les pile grand jour, ce que nous vivons actuellement en Haïti. Ça veut dire que quand petit jeune qui paraît, nous doux, il parle avec vous, et puis ensuite après ça, il n'est pas content sur DIA, ou bien on va des besoins, il dit Kazo, mafia pas appelleront ça. Donc l'autre problème, c'est ça ou et c'est ça qui fait tant aux structures. C'est exact. Et le comparer lui par exemple avec une mafia qui gagne un assignment, comme on dit en anglais, qui gagne qui ballon en mission. Oui, une mission là dans l'île. Pour avancer, pour approcher à concept ou jersey de gang qui est réellement très courant en Haïti, parce que la mafia ou pas gagne droit si on monde sous pas prendre l'ordre de force supérieure, d'une institution supérieure. C'est-à-dire, yo ka tire ou même, yo ka éliminé ou sous tuyon moun. Même quand moun ou tuyon, si ou ennemi lié, son rival lié, parce que ou pas trop se voit l'autre, non, ou pas fait, contrairement à Haïti, peut-être le plus de moun ou tuyon, le plus pouvoir vin gen, yo vin ouè moun sa, son moun ki fort, son moun ki parle en plaisanterie. Donc, il prend des promotions, si m'a utilisé le terme à ça. À partir de crimes. À partir de crimes qu'il performait. C'est là le problème. Ça, c'est qualifié. Qualifié. Quand on fait des bleus en médecine. Ouais. Ah, oui. Donc, monsieur Dandé, et tellement et définition, par nous avons voir, il y a tout similaire. En fait, nous commençons avec gang de quartier, côté que. Équipe football, équipe volleyball, à l'autre côté, équipe de l'autre côté. Son forme de. L'esprit, c'était pour le rassemblement quartier, rassemblement communautaire, là, qui font compétition avec un autre, même groupe similaire, un autre quartier. Ça, c'est avec innocence. C'est ça, nous, qu'on a dit. Là, nous venons en diaspora, nous avons des mouvements similaires dans l'école, là, quand on était high school, pour le Gouma, high school. Ok, et bien après ça, les vins varient. Côté que le monde qui n'a pas choisi, l'élève qui n'a pas choisi pour continuer à l'école, il y a entre les gangs, qu'on y a les gangs criminels, côté que, il y a fait soit par. Il y a retalié, il y a vengeance, comme cela, on revendique les gens par ailleurs, mais bien entre l'autre côté que, il y a libre. Il y a tiré, il y a tué, il y a fait n'importe quoi. Un peu en plus de ça, qu'on y a les côtés de l'ivine d'un joueur, et là, nous allons le traverser pour moi. Là, nous parlons de la Haïti, il vient tout le monde aux ressources financières. Parce que là, nous parlons de l'étranger, nous ne pouvons comprendre la loi pour nous retourner en Haïti. Ouais. Par exemple, la loi pour nous, l'équipe mafia de l'Italie en général, surtout en côté en Italie, il y a la Sicile qui est différente. Si, si, si. Et puis, il y a des gangs américains, par exemple, il y a des gangs espagnols, surtout en Colombie. Ben, comme ça, côté droit, ça c'est une ressource que mon chef, qui a fait comme, un millionnaire, qui a passé loin, il y a une question de héroïne, en Asie, comme opium, etc. Tout ça, sont une forme de gang militarisé pour l'argent. Ok? Donc, son culture qui est excessivement dangereuse. Ok? Et puis, Goma qui vient arriver, côté que, ça n'a pas gardé en Haïti là. D'une façon qui m'a dit là, désordonnée, il y a même culture ça, hein? Tu as fait quand tu as une machine qui pèse du frein sous la boule, bluffé la descente, parce qu'il n'y a pas de frein. Donc c'est ça qui a passé en Haïti, Kounyala. Donc monsieur Kounyala, on regarde, nous dit, nous parlons de militariser, nous parlons de politiser. Là, là monsieur Charlot dit comme ça que les vont mettre. Est-ce que mettre là, c'est dans la société civile là? Parce que nous connaissons la mafia étrangère comme société civile et nous les associer avec la police. Oui, police, quand nous sommes à Miami, nous sommes à la télévision, nous sommes à plusieurs choses. Côté que, il y a pile police qui est impliquée dans les affaires gang. Côté que, il y a laissé passer, il y a quitté un crime mal fait dans le quartier, etc. Pour prendre Jean de Baïsa là. Là, nous parlons de maître de gang, par exemple. Est-ce qu'on a parlé de. Est-ce que sont civils qui bien souché? Bon, ou bien gang qui politisé, maître li, une série de décisions que la prend dans la politique là, capable d'influencer tout le monde. Mais le gang doit, gang tout, qui pas politisé, maître li,
ça l'a cherché un pouvoir économique. Soit que le pouvoir déjà et puis fini la PC et qu'un bill net allé, vous comprenez? Ou bien encore l'autre là qu'on y a là, c'est pas pouvoir économique là le gain. Mais ti sale gain, ti zone là que l'a occupé à comme il faut, il pas veut perdre. Et puis c'est gang là qu'on y a là qui a favorisé. Parce que le point commun des deux côtés, il arrive à une seule chose, on s'en dit là tout à l'heure là, c'est économique. Des deux côtés. Que gang là politisé, que gang là pas politisé, mettre sur gang bagaille visé, c'est l'économie. Hein. Mais il y a de l'heure qui est beaucoup plus grave que le passé, c'est ça qui vient en Haïti, c'est ce qui s'est passé à la Jamaïque. Dans les années 70, il y a deux candidats, Menlen Saiga, qui armaient plusieurs groupes qui étaient déjà commencé à former, mais puisque vous recevez des armes, et monsieur en charge entraîner d'autres dans l'aspect militaire, non? Et dépend qu'il y a une guerre civile au Vietnam, ce n'est pas pour Bob Marley qui était intervenu entre les deux. Peut-être Jamaïque a fini la guerre civile, mais au moins deux politiciens sont ont eu courage, ils ont été conséquences qui étaient arrivées si ils ont quitté ça passé, et puis ils permettent une élection libre et honnête faite. Et ça que le président oublié qui est, vous voyez, c'est Seaga, rentrer au pouvoir. Mais cependant, leur fin fait mon nom, promesse que tu fais mon nom. Peut-être que tu promets 10 personnes, mais chaque personne a 10 personnes qui ont recruté. Voilà que maintenant qu'on est au pouvoir, est-ce qu'on a le courage pour prendre 100, 200 personnes, anciens soldats qui t'ont combattu pour te prendre l'élection hein? Est-ce qu'on a pris des gens qui ont mis dans l'administration publique non? Pour bailler des salaires alléchants, etc., etc. Surtout le long communauté que les gens ont qui les gens ont. Oui. Voilà que mais on vient marrer et moun sa réalisé qui gens que le enrichi tête li dans les activités criminelles li wè que à l'école n'a pas tellement rapporté s'il ka continuer avec la gang nan avancer expand gang nan et voilà que gang sa rete à la Jamaïque et me pense que plusieurs corpuscules comme ça qui formé en Haïti pour des raisons politiques au début et qui wè résultat beaucoup plus alléchant, il décide de mettre la gang en façon pour des raisons, comme on dit, des raisons économiques. Ben oui. Et je vais aller plus loin encore. J'aime toujours dire, n'a pas osé un petit peu. Tu veux la causer. N'a pas causé, mais n'a pas osé tout. Vous comprenez? N'a pas parlé de gang. Nous songeons très bien, et François Duvalier, pour être capable et quand même mettre aux forces face à l'armée, que tu as créé volontaire sécurité nationale. On a considéré le temps qu'on gagne. Mais gagne, ça a lui-même, il était un rôle, pas vrai? Mais dans un sens, il était structuré. Parce que ce n'est pas ta droite, ta gauche. Non, pourquoi on veut un petit bail qui chappe ou le comme ça, on comprend tout. Hein? Mais sauf qu'on a une hiérarchie. Les nouvelles descendent pita qu'on y a là, nous pas faire affaire avec l'autre gang. Là, nous arrivons sous Jean-Bertrand Aristide, nous voyons l'autre forme de gang qui paraît. Côté, c'est laissant de commencer avec jeune timon, que le garçon, que le fille, avec gros âme, non mais yo, sur gang tout. Ni même pour qu'on parle de Jean-Bertrand Aristide, mettez lui, qui était gang. Ou raison, il était une vision lui-même, des comptes pour qui raison. Vous comprenez? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dedans. La seule chose, c'est que rôle là, qu'on y a, c'est garder pour eux, gang du Valier, hein? Gang Aristide là, et puis qui ça le produit qu'on y a là. Qui vient qui importe. Yeah. Mais c'est pas exact. Pas oui. Tout dans les années 70, c'était facile pour identifier un gang. Parce que gang a évolué. Il changé. Il m'a métamorphosé en façon de parler. Parce qu'il était facile, l'autre arrêté un membre d'un gang pour faire le déshabiller ou être tatoué accordé. Sous tatou qui souligne, sous ancien. D'accord, qu'on est capable de danser. Ou qu'on a porté dans ce qu'on a ça ne se fait plus. Ok? Et qu'on sens que culture n'a accepté un gang, et puis on considère comme tout gang. Non. Nous t'avons parlé de MS-13. Ils pensaient tout gang. Et hispanique,
c'est membre de MS-13, c'est pas le cas. Exact. Dans les années 70, c'était The Latin Kings qui était représenté société hispanique. Non? Même la communauté haïtienne, non, nous tout tendez, les Zopan, quel que soit gang, ils disent, ah, ça son Zopan. Ils pensaient que l'associé à Zopan, non, parce que Zopan était beaucoup t'es établi. D'abord, c'est lui-même qui était plus grand gang. Mais il y a ça qui a passé gang, il y a tant d'autres gangs qui ont des quartiers différents et même des objectifs différents. Donc, il y a besoin de faire une interprétation. Ça, si nous cherchons gang, la façon longtemps que nous avons fait des signes, identifier ça n'existe plus. Le coup, il y a bien, c'est pour participer au mouvement de peut-être une révolution, une révolte interne. Ils ont fâché pour un bagaille, ils ont fâché parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'ont pas qu'à manger. Ils ont pris un groupe et puis, quand ils sont là, nous allons traverser le pont. Nous allons traverser le pont. Parce que, mesdames et messieurs, comme vous avez entendu à plusieurs reprises, le plan qu'on a proposé pour la renaissance d'une nouvelle société en Haïti, par exemple, pour qu'on ait plusieurs modèles, un modèle panuel inclut avant la construction les infrastructures, les cinq doigts de la main, l'eau, l'électricité, route, l'hôpital, l'aéroport. Après ça, on va dans la deuxième phase, on va parler de urbanisation, etc. So, première phase, avant la première phase, ce qui s'allie, c'est le nettoyage. Il faut nous avoir courage pour nous parler du nettoyage. Nettoyage physique veut dire que les gangs, nous ne pouvons pas utiliser aucun verbe qui est trop dur, mais nous connaissons au grand problème les grands moyens. Ok? Les gens qui ont aidé à militariser la tête, les armes sans numéro de série. Ok? Au grand problème les grands moyens, tout. Parce que, au point, ce sont les forces du mal, comme moi je les appelle pour Haïti. Ok? Moi je prends la responsabilité de le dire. Tout ça, ce sont des bactéries. Le pays avait, M. Charles Pavel me dit ça, le pays avait métastasé avec ces formes, ces formes de cancer. Ouais, comme cela, que pas de l'autre jambon de gadil. Et ça fait que lorsqu'on parle de nettoyage, au grand problème, les grands moyens, instruction civique et morale, n'a fait à travers les médias. Mais là, le nettoyage physique doit se faire avec autant de force. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre Causerie. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons suggérer, probablement, si nous sommes capables, qui gens pour nous faire bailler physiquement, parce qu'il y a plusieurs mondes physiques là, que pour nous nettoyer. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de Causerie, nos invités aujourd'hui, pas invités, un collaborateur et un ami, frère, un petit frère, chef de police retraité, car Eugène est le politicien, le politologue, Jean-Emmanuel Charlot. Aujourd'hui, on a causé sous affaire gang. On a fait des définitions générales. On est là, nous fait traverser rivière dangereuse, à côté de la parler de gang en Haïti. Ok, le même, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas des rêveurs, mais nous avons dit aux gens, vous voyez, nous avons aimé que Haïti vous dirait à zéro, côté que un bon nettoyage, faut être fait, un nettoyage physique qui inclut, ou pas qu'il y ait une police gangsterisée, ou pas qu'il y ait une administration gangsterisée, ou pas qu'il y ait une société civile gangsterisée. Ok, donc ce sont des... Ils ne sont pas capables d'un gang politisé. Politisé. Donc cela veut dire que quand on est là, il y a des gens qui parlent de ça,
nous pas comparer ça à l'autre monde dit, mais nous connaissons que tout ça nous sommes mentionnés là. Ce sont des irrégularités lorsqu'on parle de la renaissance d'une société nouvelle. Ok, ce sont des irrégularités. Donc, monsieur, en attaque directement, et qui j'en pour nous faire, par exemple, à moi-même, je ne vais pas même penser à l'expérience militaire hein, pour me faire, pour nettoyer physiquement. Parce que il n'y a pas la bonne jouette là-dedans. Ok? Il n'y a pas la bonne jouette là-dedans parce que si, parce que si nous avons un code d'ici, qui a des points, chaque point sur lui, c'est un côté base, tout gagné. Ok? Écoute, mais bon. Ça suffit pour qu'on qui ça pour faire. Ou écoutez, mais avant ça, je dis que c'est pendant un temps, souffert là avec des mouns, ou qu'on aime nous mentionner en privé, inquiétude nous, sou, inquiétude moi personnellement, sous affaire dans la période de transition. Ok, il y a un groupe moun qui supposé parler avec un programme qui vous dit comme ça que ce nettoyage doit être fait. Parce que si un monde qui est au pouvoir, qui est élu, d'une façon de facto ou autre, je ne sais pas. C'est mon inquiétude pour les prochaines élections, parce que qui est-ce qui va le paraître, qui va le d'accord pour que vous fassiez une renaissance en Haïti. Ou à coup de mes avantages, il faudrait que une stratégie qui fait pour capable que, nous ne parlons pas d'élimination de personnes, mais nous parlons d'élimination de la. Pour refaire un système qui est un nettoyage, qui est inévitable. Élimination gangrène, non même. Comprends-nous. Mais pour me rentrer dans le sujet, ça, il y a deux bains toujours rappelés. Élu président d'Haïti, son pouvoir qui est au son autorité qui est au mais pouvoir et courage, non? Son bain interne, son bain qui est convient avec. Ok? Vous rappelez très bien, read my lips, c'est ton bain politique. Parce que nous connaissons le pas possible. Mais l'aime du faut changer culture, non? On va retourner sur Ronald Reagan. L'aime que monsieur te paraît, premier frappe qui te prend, c'était grève des trous de contrôle. Oui. Avion pas volé. Et ça t'est fait là, un mois ou deux mois après prestation de serment. Monsieur Relé FAA, il dit révoquer tout le monde aux États-Unis. Il révoque yo. Même moi-même, te dis, est-ce que monsieur bien en tête, est-ce que le fou? Il prend tout ancien retraité militaire qui t'a travaillé dans le tour de contrôle, mm-hmm. J'ai adressé personnellement. Il fait appel même temporairement pour yo contrôler tout le contrôle, surtout l'aéroport qui est très important, yo, Hobbs qui est important, yo, Washington, Jeff, qui sont en so forth. Mm-hmm. C'est ton action qui est très populaire aux yeux du public. Mais depuis le fait là, ou pas chantant de parler de employé fédéral qui a fait grève encore. Période. Mm-hmm. Le moment où il prend courage dans ses pour prendre. Le nom de Sirigen, madame, il peut être dit c'est nous tous drogues. Toute police département, toute state police, toute police fédérale yo réalisé que pour être yo grossi parce que gouvernement première dame nan dit n'a pas frappé drug dealer yeah. Et c'est pas on fois le te dit depuis Nancy Reagan parler c'est de élimination de drogue aux États-Unis. Colombie prend gros frappe, monsieur commence à frapper fuck yo. Et so on and so forth. Mais l'on réalise au fait là, c'est là mon problème en Haïti peut-être. Nous disons pas rentrer dans des aspects de l'aspect politique en Haïti, mais obligé de dire. Nous avons un problème de gang. Nous les nouvelles, la cellule en forme, tous les matins, beaucoup de chambres d'année, le premier ministre, ministre de la justice, non? Et ministre de la Défense. Mentionné rien à ce sujet. Mentionné rien. Et c'était le sujet de tous les membres du gouvernement actuel. Est-ce que pas une raison là-dessus? Quel exemple vous souhaitez bailler là? Oui, exemple. Jean, ex-président Reagan, réagit.
son monde qui campait puis la fini le dos au gouvernement pas un droit statique. Des bons bagages qui arrivent devant, il faut savoir oser, il faut savoir prendre les décisions nécessaires. Bien entendu, il y a un dommage collatéral. Vous comprenez? Mais il faut qu'on vive avec lui. Si besoin de détruire, ça qui a empêché d'avancer réellement. Pour détruire les cigares à gauche et à droite, il faut savoir le faire. Parce que monsieur connaît très bien que tout le monde sait que l'a provoqué. Il y a madame qui n'a pas recevoir un chèque encore. Il y a petit monde qui c'est dommage collatéral tout ça. Et pour quelle raison sous garder pour elle la caille nous combien là? Ok, mais sans vouloir mettre Zolan Kalalou et à partir de cette année-là, est-ce que il est juste ou bien prudent de dire que si le mouvement gang n'a pas adressé, c'est parce que le gouvernement haïtien ne veut pas le faire? Je ne sais pas, il dit qu'il ne veut pas. Parce que. Mais vous êtes d'accord que nous avons moins évidence qu'il va adresser. Non, je suis d'accord avec vous. Mais la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez une situation, ou pas voulez vraiment. Vous avez une situation qu'on voulait. Assez souvent, on entend qui veut peu, mais ce n'est pas vrai. On peut vouloir et ne pas pouvoir. Parce qu'on sait, faut qu'on considère les différences individuelles. Vous avez une possibilité, moi, je ne suis pas gagné, je ne suis pas capable parce que je ne suis pas gagné. Et ça, non, mais là, nécessaire là. Non, nous ne pas philosopher. On parle trop loin. Parce que, grand mouvement gang, ok, qui dépassait les bornes. Oui, mais Didi, c'est okay, ça, donc, m'a expliqué. Écoute, mais pas j'aime une action. Parce que, police, ça, son police, c'est son ronde d'enfant. Ok, son police, déjà des enfants. Oui. Ok, nego mette de belles uniformes, bibi, bien gonflé, gros étoile, gros ceci, que cela. Mais, ça qu'il a fait. Ça qu'il a fait. Parce que les policiers, non seulement ils ont gangsterisé, ils ont pris une autorisation pour faire ces bagailles. Il y a des gens qui ont sorti une vidéo qui sorti côté que, et il y a des journalistes qui ont des membres de certains gangs et entrevues. Il y a deux bagailles qui sont sortis dans l'entrevue qui ont frappé très dur. Ça a quelques mois. Je me suis dit comme ça. Non, après la police, par exemple, je peux nous un mot de passe. Nous parlons de côté. La police a un droit là comme surveillance. Pour le monde passe depuis au Bali, la police a quitté le passé. Mais c'est une raison qui fait d'abord, on ne parle pas de ça. On n'est pas capable. On ne peut pas appeler un criminel au monde si on ne pas connaître. Mais assurément, la loi de la guerre, si on ne pas contre le parle, qu'on n'a pas qu'à craser au côté, pas gommer mon nom. Deux bons nègres, pas contre vous, mais les deux bandes dérangées étaient rencontrées à court dans sous la. Il n'y a pas de main parce que les deux bons nègres. Bon, analogie que j'ai toujours utilisée, mais tout d'abord, avant de dire, je dois m'excuser à toutes les mères, toutes les filles qui ont suivi mission, ça. C'est une analogie qui est forte, bon, je m'excuse tout d'abord. Que j'ai toujours dit, une jeune fille de 10 ans, même si c'est violé ou t'as violé, qui vit enceinte, le jour que le pousser petit bébé ça, elle n'est plus une fille, elle devient une femme, une oui. mère. Donc c'est même j'ai un pouvoir. Sous pas qu'à prendre pouvoir, pas accepter. Parce que y a un pile candidat qui offre, qui a une possibilité pour un pouvoir, qui dit, il n'y a pas qu'à faire. Nous avons même couru bouillir que l'ancien gouverneur de New York, Cuomo, parce que petit lien qui saute un problème, non, avant sa papa, que tout le monde connaît le tapal candidat. Tout le monde connaît le pouvoir, tu l'emmènes déjà, comme représentant démocrate. Il n'y a pas de prendre, c'est à cause de affiliation dans le passé, en mille, qui te fait partie de la mafia, so on et so forth. Donc, on ne connaît pas qu'à faire, il n'y a pas de prendre. Et me respecter ça. Mais si on prend tout, c'est faut reconnaître où c'est président. Oui. Ou grand problème, parce qu'on pas qu'à faire campagne contre eux. La criminalité contre les gangs et puis pour prendre pouvoir pour essayer d'ignorer le problème là. C'est un texte. Faut raison à l'essai. D'accord avec vous. C'est la nouille. Ok, c'est la nouille. Oui. Parce que, monsieur, attendez, si nous avons joué, et avec toute sincérité naturelle que nous toujours bien pour jouer ça, toute honnêteté, nous, grand problème de gang, ok, nous ne pouvons pas passer de moyens pour nous craser gang. C'est la police, si vous êtes sous ça, si vous êtes sous l'autre, pour vous êtes sous ça,
si on a demandé coup de main, qu'on a demandé coup de main, parce qu'on a militarisé, il faut qu'on force militarisée qui peut correspondre à vous, d'une façon qui, comme la sans jouette, sans si, pas une discussion là, nous tout là comme ça. Mais qu'on est là, qu'on a un problème que nous avons, nous dit des bails là qui viennent censés. Et ça, tu y as quand même, nous dit attention, si que gen moun ki au pouvoir, nous lisons chaque jour dans le journal, il va jamais adresser la crise de gang, simplement ces journalistes seulement qui parlent de ça. Ok? Donc, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire, comme dirait notre première dame? C'est quoi l'histoire? C'est ça que ça est là. Je comprends, parce qu'on n'est pas capable. Si on réellement mandé, coûte mes bouillons mandé, on m'a guidé sorti dans une nouvelle issue, un chef qui rencontrait avec l'ambassadeur américain, donc il n'y a pas moins de Lili, même te, et ça n'est pas une spéculation, non, mais il faut me référer à qui date qui l'a sorti. Je suis rencontré avec un gros auto dans l'ambassade américaine, il dit qui problème qui gagne, il dit problème gang, il dit qui sauve, il dit blindé. Dans une semaine, deux babes sont pas blindés. Trois câbles de ça, eu la possession gang. Gang, au quotidien là. Non, est-ce qu'on songeait. Continue. Excuse-moi. Mm. Est-ce qu'on songeait, non, soit qu'on causerait deux ou trois, nous parler de ça. Nous dit, lors où son chef d'État, bon, co-président, premier ministre, et, en tout cas, lors où c'est au responsable et saine politique là, ou gon bagay qui gêne ou. Sou gen force pour capable éliminer parce que pour avancer faut qu'on élimine il faut qu'on agir avec force ou pas. Et sou pas gen force là, il faut savoir s'adresser au côté qui ou connaît qui capable de réellement. J'aurais te dit dans causerie ça n'a pas parlé réellement. Mes amis, nous pas capable payer pas parler con l'autre côté avec gang ça. Qui est-ce qui peut craser? Ce n'est pas la police qui peut craser. Parce qu'avant même qu'on déplace, le téléphone fait qu'on police qui est en relais au gang qui l'a déplacé. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur du gang, il y a une police qui est au courant et on ne pas même compte qui est lié. Ça, c'est à part la police, qui est-ce qui est capable de gagner? C'est l'armée ou l'organe. Ok, mais. Bon, ça, ça a fait avec l'armée. La est-ce que son bagage. Parce que là, il y a un problème, ça, même aux États-Unis. Même problème ou élaboré, qu'on fait ici tout. Et technologie est beaucoup plus avancée, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup plus facile ici. C'est ça qu'il faut toujours créer, on termine ça, une task force. Une task force, oui, c'est ça. Task force est créée par des membres very sélectifs. C'est-à-dire, on fait background, ou qu'on a qui on a fait. Mm-hmm. Ils prouvent qu'ils sont qui sont honnêtes, etc. Ils font groupe ça. Yo. Ok? Est-ce qu'on a fait des erreurs, you know, de infiltrer, si on va connaître peut-être. Mon stigie continue. Parce que si on n'a pas un système établi, même problème qu'il y a en Haïti, hein, ou après aux États-Unis. Tout. Et task force ça, force qui a support du public, support du gouvernement en place, parce que le que quel que soit le monde qui est au pouvoir, suspend à penser à gouvernement parlant, comment c'est pensé à la nation haïtienne? Correct. Ah bah, ça, c'est le concert. Okay. Et ça, que tel homme utilise le mot, moun sa yo, yo contaminé profondément, yo métastasé avec cette forme de cancer, yo pas pensé, yo pas international. Son grand interrogant, ou j'aime fin fait ta, bon, ou pas qu'étant la médecine, ou bien pas qu'étant la, comme avocat, comme jurisprudence, koun yala li le mouvim da fon kout président, da fon kout ministre. Si nous avons coup de ceci, nous avons coup de cela. C'est-à-dire que c'est évidemment son satisfaction personnelle pour le concours de la vie, ou réaliser deux, trois bagailles, etc. Donc, ça fait. Il n'y a pas de problème avec ça, non? Si l'objectif est pour. Ou doit. Si le pays a bénéficié. Pour comprendre si le pays a bénéficié. Parce que l'on peut même le plus souvent, il passe à nous. Non, il passe à nous. Monsieur Dali, nous disons qu'aucun problème n'est que moi. Nous disons que. C'est journalistes seulement qui parlaient de gang. On énumère, bah, on nous dit que gang est beaucoup plus puissant. Oui. Gang doit entrer en côté, monde qui chef de gouvernement pas qu'à entrer. Mais ça, c'est une scène de cinéma. C'est une scène de plaisanterie. Donc cela dit que monde qui est en charge là, s'il sous ça vraiment,
parce que l'a touché. Donc ça veut dire que je ne parle même pas de les parlementaires qui mentent. On a parlé de nez qui parlé et puis on menti, pas fini. Parce que tout n'est que salarié. Parce que le problème, ça, définitivement, généralement parlant, sont conséquences profondes de la situation économique qu'on a ici. Ok? Ou bien une débandade politique qui vient bon, un déséquilibre social, sociopolitique, socioculturel. Ok? Donc tout ça, ou bien sans seconde, et ça fait quand plusieurs fois dans l'émission, Mourelle, ça, c'est le. Ces zones marécages ça qu'on a besoin de nettoyer avant de rebâtir le pays. Bon, utiliser le terme, on parle de nettoyage. Non? Et bien, ça me rend réellement énervé. C'est là que ça me dit que parrain n'a pas voulu qu'il pas parlant du gouvernement américain ou bien Canada ou bien la France. Les trois cancers. Américain fait même système, non? Peut-être que les gens qui ont suivi l'émission, par contre, ça me fait partie de Task Force ça, qui aurait les WID. Et SID, oui, non, c'était nettoyage d'abord. Et puis, c'est et puis après ça, ils ont planté c'est ça, oui. Des sociales pour le travail. Donc, ce dont nous avons besoin actuellement. Catastrophe en Haïti, en suivant les nouvelles d'Haïti. L'homme de la chambre législative en Haïti, tu n'as pas loué la Best Western. Parce que vous n'avez pas descendre dans le bureau à cause de l'insécurité. Si un pays arrive dans l'État, ça, pareil le pays, en considérant qu'une voiture qui n'a pas de moteur, pas de caoutchouc, pas de volant, il n'a pas de porte. Pareil le voiture, encore, il est l'autre bagaille. La même chose. Non, pas du tout. Parce que lobby. La même chose. Pour commissariat Martissan, fermé depuis plus d'une année. Plus d'une année. Je n'ai pas besoin de ce qui sont mettre la dedans. Si c'est d'être militaire, il faut ouvrir pour correspondre avec le concept que gang yo take over Martissant. C'est la route nationale numéro 2 du pays. Quelle que soit façon grosse lien, c'est force plus courante que les amis qui bâtissent Caillou, qui prennent retraite, qui bâtissent Caillou Grécien. Il y a près de un an pour le prince, il n'y a pas jamais qu'à l'encaillir. Oui. Donc, son tristesse, son réalité, et il faut commencer par le premier ministre pour essayer de quitter au pouvoir, jusqu'à dernier subalterne, qui a clean la rue. Il faut tout le monde marier avec le concept ça. Insécurité, ça, fait pour finir. Empower police. Combien de fois nous enterrons police? Qui gagne une dizaine de monde seulement. Bon haïtien ou jeune, peut-être familier, a suivi mission ça, ou ne mourait, qui a été tiré New York, lui-même avec un partenaire, en transaction de drogue, qui a fait undercover, il a tué monsieur. C'est 25 000 officiers qui t'a lié au Swiss-Ten Park, au Nostra, pour saluer, c'est un cœur, monsieur, pendant l'enterrement. Donc, simplement, enterrement seulement, voyons un message. Bah, tous les criminels pour le dire, attention. Définitivement. Nous avons tué monsieur, mais public, non, président pays. Hein. L'autre jour, tu as police New York, Joe Biden, le président actuel pays, hein, a loué famille, il l'en met. Donc, il tire 10 personnes qui t'ont tué, lui, tout gouvernement fait un seul. Pour combattre la criminalité, ça, nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas tolérer. C'est ça. Mais pour des problèmes, là, le choix policier qui vient gangsteriser, vous connaissez, vous avez un système économique qui est très bas. Il y a les policiers touchés, parfois, pas par moi. Ok. Et puis, les policiers, ils viennent un cycle de compromission qui est obligé de faire. Ok, pour être capable de survivre parce que y a une madame petite maîtresse ménage. Ok, donc cela veut dire qu'il faut manger, il faut boire la bouille, bon annoncer de bail comme si la conseil de bail solide vous bail aux forces. Donc ça veut dire que la police a une obligation et puis le fin il faut faire chez belle dans le quartier. Il faut faire protection. Et vous le verrez là, ancien. Ah ouais. Ok, mais comme si la ligue une image. Faiblesse culturelle, ça, et aussi me carré comme ça.
et bien censé on l'autre un facteur bagage un gros facteur qui est censé déterminer le comportement nègre qui fait que acceptons ces deux bagages parce que pas les perdu fil ça n'a dit journaliste au parler que les gens au pouvoir il pas jamais parler de gang président parti mais mon co pouvoir la partie là fait belle merveille elle fait discours et puis avec drapeau haïtien en bas comme ça il va jamais parler de gang OK pendant ce temps gang yo vivent de activité yo ils entrent n'importe quoi yo kidnapper yo fait ceci yo fait cela yo bien cobla main yo OK et d'après les nouvelles d'après on sait de statistiques tout qu'on paquet gang qui a servi à des âmes nous même qui passer dans l'armée on va en bois pour jouer nous wayo c'est dans l'autre pays sorti zalo pas gagne ça le on a grand serial number le pas grand numéro de série donc ça veut dire que bon monde qui tolérer ces chefs de gang qui devait de la cap produit cap supply cap bagage cap fournisseur bagage son chef de gang et tout parce que bon chef de gang cap financer bon chef de gang cap de couverture politique et grand chef de gang qui va glacer malheureusement pas le servir avec mon triumvirat c'est trois forces servir avec lui il en gagne ou gain nèg société civile a gagne cop cap vendre balle le film bois fils encore venir acheter balle là hein? Deuxièmement ou gain une protection du gouvernement ou bien des membres du gouvernement et troisièmement ou gain les hommes d'action les hommes d'action donc cela veut dire que il y a une chanson triumvirat malhonnête comme si là qui empêchait pays avancer nek kap bay kobla c'est que nek qui gagne waf yo il gagne aéroport ba yo débarquer là dans pays d'Haïti il y a ça au blé yo vend gaz yo vend ceci yo vend cela ba sur toute statistique sur tout internet donc c'est pas pour dire que c'est ça va intéresser pour parler d'un tel qui c'est cela nous tout pour connait exactement ça qui a passé l'essentiel c'est que il faut continuer à mentionner que moun ki au pouvoir yo ce sont les ennemis du pays d'Haïti. Oui, Didi, bon. Ma fort, ou ti sous côté à son sodia là. Gen deux bagay que haïtien peu, depuis tout petit me connaît. C'est la pluie ak gendarme. Si gon goumè la, kon yan la nan mitan. Ou mette 20, 50 policiers là. Gon désordre. Désordre là pour continuer. Même désordre ça là, sou mette deux gendarmes. Désordre là suspend. C'est parce que l'armée a gon respect là-dedans. Et c'est dans tous les pays, pour ce que droit dit ça, qui passe dans l'armée, qui prend retraite dans l'armée même. Nous avons des policiers qui travaillent comme police et qui sont des réserves de l'armée américaine. Yes. Mm-hmm. Moi, pas de performer pendant cyclone un jour, on a fait détruire Homestead. Ils ont fait appel à n'importe officier fédéral, gouvernement fédéral, qui travaillent comme des officiers en overtime, ils ont droit signer. Pour patrouiller sud de Miami-Dade County, m'sien, bon police, nous te manqué, révoqué, monsieur, parce que monsieur te manqué, jam, manqué, garçon. Mais police s'arrête vers 1h du matin, l'enfer noir, il rallonge un M16 sous moi. Langage, il parle avec un bacadil, la télévision, non? Mm-hmm. C'est juste l'approche, il met flashlight. Que le wek yes, oui. Il wek yes, nous parle. Et puis, c'est pour réaliser ces deux personnalités différentes. L'aile de police, l'aile de l'uniforme police avec ouais. L'aile de l'uniforme l'armée, qui changeait. Et c'est arrivé, qui jouait ça, au Brésil. Brésil, deuxième richesse pays après le café, c'est le tourisme. Donc, il n'y a pas jamais occupé le monde qui l'a dit, malheureux que l'on sort et les cités solides par eux, de Fevolas, qui aurait l'air. Fevolas, non? Jusqu'à ce que l'on tire, il y a deux touristes qui prennent balle. Ils paraissent dans les journaux, et puis c'était la fête des gangs.
président au Brésil l'a dit, il pas perdre du tourisme là. Il voit la mer dit faire affaire gang ça suspend. C'était triste de gagner dans dommage collatéral que j'ai dit. Oui. Et nous tout prend la donne. Il y a deux trois innocents peut-être qu'à la prison bien qui même mort et tout. Mais c'était la fin des activités de gang. La tête Rio de Janeiro et puis ça finit. C'est ça. Monsieur le monde, c'est et bah le ingénieur me fâché. Mais il bon signal là déjà. Le bam gazi nous monsieur tendez. J'ai besoin, les points forts sont touchés. Oui. Et au grand problème, les grands moyens, nous d'accord que et les ennemis et du territoire, de la situation sociopolitique en Haïti, ce sont les hommes au pouvoir, et quel que soit qui est-ce qu'il y a. Ok, d'une façon négligente ou bien, quel que soit le genre, regardez, c'est pas que ça fait ni chaud ni froid. C'est qui c'est bah, par le nom, qui est-ce qu'il a bien. C'est pas là. Sauf que j'en ai regardé les faits. Les faits montrent que c'est l'histoire de gang n'est pas adressée. Un. Deuxièmement, je connais qui ça vous fait l'air mandé l'autre côté pour eux, bah, tout en temps, autant 20, 30, 40, 200 000 dollars tombés pour l'autre bagaille. Il va gagner pour l'autre avec gang. OK? Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont montré clairement que c'est de mauvaise foi. OK? Donc, monsieur, n'a pas fait un mot, pas de la fin, mais temporairement à ce sujet, soit penser de politisation, soit penser de militarisation. Parce qu'il faut en aller. Bon, écoute, au moment où on se parle, nous pas même qu'à parler de ça, de politisation. Parce qu'on ne sentit rien. Politisation, c'est un bagage qui est dynamique. Au moment où on se parle, tout va être fermé. On ne attend rien, pas une action, pas une parole, pas une quoi. Il faut se poser une seule question. Que font-ils ces hommes qui sont sur le territoire haïtien maintenant? À qui le crime profite? Je dis comme ça. Non, mais militarisation, on est très fort. Au monde, tous ces points être sous moi, comme police, je râle un bâton. S'il râle un bâton, je râle un revolver. Donc, force au pouvoir est beaucoup plus fort que force la combattre. Ah, mais vous parlez de force. Exactement. Les gens au pouvoir. C'est ça. Donc, on pensait que faut nous réévaluer. Et j'en dis là, si tu m'as mis acheter un hélicoptère, un bel hélicoptère en main, gouvernement américain, pour $1, surplus, il n'y a pas contre ça pour y faire avec eux. Donc, soumettre des contrats, des projets, ou présenter le gouvernement américain, ou avoir son besoin. Donc, on parle de ça, on le faire, on bat le fer. Faut force police nationale, que nous retournons avec l'armée, que nous avons conseillé au fait, faut gagner des forces beaucoup plus lourdes que force M. Gambier. Et le savement dit à tout, qu'on est que le monde mal touché, il n'y a pas qu'à bon engagement. Faut plus ou moins que pour la calé pour mon calé. On peut dire que police d'intervention hein, ou bien force de frappe là au grand problème les grands moyens, on ne peut pas dire ça parce que sous monde qui frappe par l'épée. Oh, on va dire ça l'autre là, tu dis ah non. Allah les bouquins. C'est monsieur, ça, merci beaucoup pour cette petite causerie concernant et ce que nous pensons que qui est bon pour Haïti. Parce que nous n'avons pas de velléité politique, m'a dit jusqu'à ce que nous comprenions que les Napalais n'ont pas les à cœur ouvert parce que nous avons découvert et nous parler de ça, les ennemis de la République d'Haïti sont les gens malheureusement qui sont au pouvoir. Ils ne sont pas des élus, ce sont des appelés, ce sont des placés. Oui, ça fait pas réellement grand bout avec Haïti. Situation gang en Haïti, ce sont des bagages qui ont résolu leur ouvre. Ils comptent qui ça pour faire. Ils demandent quoi pour faire tout l'autre bagage, excepté pour les faire gang. Ok, le fait que quand il y a là, tout le monde à qui veut entendre, à qui veut comprendre, pour comprendre ce qui a passé. Donc, pratiquement, après gang, on a retourné la conversation ça encore parce que, au grand problème, les grands moyens. Peut-être qu'on joue là nous sous ça, on a parlé d'une force peut-être militarisée qui vous frappe avec leur force militarisée. Peut-être nous qu'on est obligé de faire ça.
Donc, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi l'émission. C'était Idéal Dino, vous proposerai à bientôt.